Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, j'en ai fini, j'en profite, j'ai enfin eu mon retrait d'argent. Toujours à la poste. Ma chance continue, hein. Je dis encore parce que hier, 1er février, j'y suis allée. Puisque je pouvais retirer, là ça faisait les 8 jours, donc c'est bon. Je pouvais retirer de nouveau 500 euros puisqu'ils étaient sur mon compte. Bien sûr, avec la chance que j'ai, hier, elle avait une panne informatique, la guichetière de la poste. Du coup, impossible de faire une quelconque opération. Du coup, je suis revenue aujourd'hui, le 2 février. Enfin, d'abord, je lui ai envoyé un message parce que j'ai gardé ses enfants, donc je la connais en fait. J'ai son numéro de portable, mais je m'en sers juste en cas de... Enfin, c'est parce qu'hier, elle me l'a dit en fait. Envoie-moi un message demain avant de passer pour être sûre et tout. Du coup, je me suis permis de lui envoyer... un message pour savoir si aujourd'hui sa panne informatique était réglée, et elle m'a dit non au début, non, je peux rien faire, etc. Et même pas 5-10 minutes après, je reçois un message en me disant bah si c'est bon, c'est revenu, tu peux passer. Du coup, j'y suis allée et donc j'ai bien retiré les 500 euros que j'installe avec vous en direct. Allez hop, donc j'ai du 10, j'ai du 20 et j'ai du 50. Et voilà. J'ai toujours mon petit cahier avec où je veux mettre quoi. On va pousser ça. Alors, le classeur habituel. Oh, j'ai un chat qui approche là. Je sens bien le petit chacha qui va s'incruster sur la vidéo. Elle est juste là, juste à côté. Et Rose. Et ma chérie. Bref. Du coup, là j'ai 500. Donc on va faire le remplissage du mois. Donc je mets... J'ai rien préparé. Hein. Je prépare tout en live avec vous, en direct. Donc je prends ça. Je prends mon crayon. Ça. Ça c'est bon. Donc je vais mettre les 50 euros, mais je vais peut-être pas les mettre en billets de 50. Elle approche. C'est une coquine, toi. Ce tracker-là, je le remplis quasiment jamais. Quasiment, je le remplis pas d'ailleurs. Puisque à chaque fois, ça s'en va. Souvent, les garçons, ici, on est 5 à la maison. Donc maintenant 4. Ma fille vient de se mettre en ménage. Mais donc il reste moi et mes deux fils et mon mari. Donc trois garçons, et quand le coiffeur il vient, je prends les sous là-dedans. Du coup, tous les 5-6 semaines, ça part. S'il y a un imprévu, ça part. Le mois dernier, on s'est fait un McDo avec ça. D'ailleurs, j'ai trop envie d'un McDo. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas le permis, je le répète. Billet de 5 euros, le défi des 5 euros, j'avais dit, là on est à 115 et j'ai des billets, alors je sais plus, c'est dans celle-là. J'ai des billets à échanger, oui c'est ça. Donc j'avais déjà fait une cagnotte pour le lustre du salon qu'on n'a toujours pas été chercher. Ok, donc je vais prendre 20 euros et je mets un billet de 20 à la place. C'est ce que je fais à chaque fois en général. Voilà, comme ça, là, on est toujours en 20, 60, 70, 80, 90. Et je vais faire ça aussi tous les mois, hein, parce que j'en ai aussi dans celle-là. Donc, là, on a dit qu'on en avait 4. Merci à mon abonné qui a fait le commentaire pour le billet de 50. Là, vous voyez, il a la bande brillante, holographique. Et... la semaine dernière, quand je suis allée faire un retrait d'argent, j'ai eu un billet de 50 qui n'était pas comme les autres. Mais dans ton commentaire, donc, tu m'as dit que c'était l'ancienne version, un billet de 50 d'ancien. Du coup, je suis contente, ça m'a bien rassurée parce que ça m'aurait fait chier clairement, hein, que mon billet soit faux. Mais ça venait de la poste, donc pour moi, c'était pas possible, même si on ne sait jamais. Voilà, donc je suis bien rassurée, en tout cas, je suis très contente. Ah, ça sent fort le feutre là, ça. Du coup, ça c'est fait. 8 euros, ça c'est fait. Ça, ensuite. Donc là, on a 10, 135 euros hein, pour les billets de 5. Et j'en ferai, je m'en servirai pour les travaux, je pense, de la chatterie. Qui est en cours. Il nous reste carrelage, faïence, le radiateur installé. Un peu de peinture sur les plaques de B13, on va peindre en blanc, hein, tout simplement. Les joints des plaques aussi. Et après, installer les prises. Prises et interrupteurs. Et acheter des arbres à chat.
Donc le défi de saison, je suis presque au bout. Il me reste bah, 10 euros à mettre. Hein. Je suis pas obligée de le mettre maintenant, puisque clairement, clairement. Ben, l'hiver se finit le 20 mars, donc j'ai encore de la marge. Bon, ben, je vais y arriver ou quoi? Du coup, je sais pas. Est-ce que je les mets ou est-ce que je les mets pas? Ouais, je vais les mettre. Allez, ça sera fait. Donc 5 et 5. Ça, c'est fait. Ok. Voilà. Donc c'était ça. Prix. Je sais même plus où. Et mini budget. Ça, c'est gentil. Ça, c'est des personnes qui partagent leurs petits défis. Et ça, c'est trop cool. Comme ça, on les imprime. Bon, moi, je ne vais pas plastifier, mais c'est vrai que dans l'idéal, ce serait mieux que ce soit plastifié, quoi. Donc celui-là, il est complet. On est bon. Hop. On a dit qu'on mettait pour les garçons. Alors, bon, là, il n'y a plus rien. Il y avait 120 euros de l'année dernière. L'année dernière, je mettais 10 euros par mois pour mes deux fils qui restent à la maison, puisque ma fille, je ne lui mets rien, elle travaille maintenant. Cette année, j'ai décidé de le passer à 20 euros par mois et je n'avais pas retiré les sous. Enfin, je ne les ai pas mis à la banque, en fait, comme je devais le faire. Et heureusement, dans un sens. J'ai pris les sous, mais je vais les remettre. Hein. Je les ai pris pour les donner à ma fille parce qu'elle a eu une panne de machine à laver. Et une machine à laver, maintenant, ça coûte 400 euros, presque. Hein. 399,99, elle a payé, clairement. Donc, bah, je lui ai filé 200 euros. Voilà, parce que c'est ce qui lui manquait. Du coup, j'ai pris là. Donc, je remets 20. Et je remets 20 à mon deuxième aussi. Hop. Voilà. Et je vais remplir son tracker. Donc là, on est. Alors, je remettrai les 120, mais. Pardon, j'ai pu mettre. J'avais laissé les plus 10, mais non, c'est plus 20 maintenant. Plus 20. Donc, on serait à 160. Dès que je peux retirer, je les remettrai. Vous savez, ça m'arrive de prendre, hein, c'est rare, mais quand je prends, je remets, hein, à chaque fois. Donc là, pareil, je lui mets 20 euros. D'ailleurs, je vais peut-être faire la monnaie. Hein. J'ai un billet de 50 là qu'elle m'a donné. Je vais faire ça. Hop. Je vais prendre 50 euros. Là, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Et j'échange. Toc, toc. Et je mets le billet de 20 d'aujourd'hui. Ouais, on fait du trafic de monnaie. On fait tout ça. Hein. Quand on fait les enveloppes, on n'a pas toujours les billets qu'il faut. Moi, elle m'a proposé un billet de 50. J'ai dit oui. Je lui ai demandé d'ailleurs, je fais, t'as jamais de billet de 100? Elle m'a dit non, c'est vrai que j'en ai jamais. Elle en demande pas en fait, elle demande sa monnaie. Enfin, elle demande ce qu'elle veut comme billet. Et non, elle n'en demande pas. Et elle m'a dit qu'avant, elle en demandait régulièrement parce qu'elle avait une dame qui voulait que ça. Mais elle dit maintenant, qui paye avec un billet de 100? C'est vrai que c'est rare maintenant. Donc là, c'est fait, c'est bon. On a mis donc, 20 euros chacun, donc 40 euros. Rentrée scolaire, on reprend le classeur d'avant. Là, défi, défi, défi. Là, je vais mettre 10, hein, je pense quand même. Je vais mettre 10 euros dans. Je vais y arriver. Dans le défi virtuel, hop. Et on est à 30, on est à 30 euros là-dedans et sur ce défi-là, pareil. Et je l'ai eu, la famille Papillon. Je suis contente quand je peux trouver des défis comme ça à imprimer, j'adore. Ça change un peu parce que toujours faire les mêmes, non, j'adore. Voilà, ça c'est fait. les 30 euros du mois. Je vais les mettre. Tac. J'ai pas pris le stylo.
Alors, en imprévu, on a mis 50, ça c'est bon. Défi 5 euros, on a mis 20. Jeu des saisons, j'ai mis les 10, il est complet, donc on est bien à 100 euros. Jour férié, rien. Là, 10 euros, j'ai mis. Tac. Challenge mois, donc c'est 30 euros par semaine. Je vais mettre, pas 30 euros par semaine, 30 euros par mois, pardon. Donc je vais mettre ça. Donc ça fait 60. Voilà. Et je coche mes petites cases. 2 et 3, c'est 10 euros la case. Voilà. Moi j'ai fait, je l'ai détourné un peu pour ça, comme ça, celui-là. Voilà, 30 euros par mois. C'est tout petit, hein. C'est écrit tout mini. Et ça fait un total de 350 euros. Ce serait cool, hein? Même pour Noël, par exemple, on ne sait jamais. Bon, jour férié, vous le savez, il n'y en a pas ce mois-ci. Pareil, là-dedans, j'avais pris des sous, donc bah, il faudrait que je les remette, hein, clairement. C'est toujours aussi pour la machine à laver. Rentrée scolaire. Alors ça, j'avais retiré, pareil, parce que bah, j'ai eu l'anniversaire de mon mari. Il voulait un ordinateur qui coûte quasiment 500 euros, donc j'avais retiré donc, 300 euros dans rentrée scolaire. Et 200 euros dans fête du village. Voilà. Coup, je ne les ai pas remis actuellement, mais il faudra les remettre aussi. Donc là, je vais voir à la fin ça, si je mets ou pas. On va voir, parce que ça, c'est une grosse enveloppe. Stock alimentaire, je verrai aussi après. Ça bloque là, ça m'énerve. Fête du village, on va voir. Défi 23 euros, je vais mettre 20, puisque j'ai déjà la monnaie. J'avais 9 euros en monnaie, donc j'ai la monnaie qu'il faut pour même le mois prochain. Mais je pense que je mettrai un billet de 10 à la place des 9 euros, tant pis si on tombe pas pareil. Il y aura 1 euro d'avance, c'est pas grave. Parce que mon mari, il a régulièrement besoin de pièces en fait pour la machine à café à son boulot. Donc là, on est le 2. Oh, il marche plus beaucoup mon noir. Je prends ma note. Je vais prendre le bleu. 2, 0, 2, dépôt, plus, bon je vais mettre plus 23, hein, ce qui fait 46. Mais je ne compte pas les 3 euros que j'ai d'avance, mais je les compterai le mois prochain, c'est pareil. Donc là, on est bon, on a fait le défi des 23 euros par mois pour l'année 2023. J'avais fait la même l'année dernière pour le 2022, hein. Ça, ok. Oh, mais c'est chiant. Hein. J'en ai qu'un là qui m'embête, mais il me saoule. Hein. Défi 52 semaines, j'avais dit que je mettais pour la première fois, je vais le commencer. Celui-là, il est comme ça. 650 euros en. Ah, vous avez le reflet de la lampe. 52 semaines. Voilà. Donc, je vais mettre 30 euros. Voilà. Alors, il y a. Il y a plus de semaines de 10 que de semaines de 20 dans celui-là et j'aime bien du coup. Et je vais mettre. Ouais, je ne vais pas les faire dans l'ordre, hein. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre un 10, un 20. Voilà. Je ne ferai pas dans l'ordre, c'est pas grave. Prochaine fois, je cocherai le premier. Ça revient même. Ce qui compte, c'est la finale. Hein. C'est combien il y a d'économies à la fin. Là. Donc, on va mettre objectif, je ne sais pas où. On verra bien. Moi, je suis au feeling. Hein. Dépôt. Plus 30. 30. J'essaierai d'avancer un peu sur celui-là parce que, bah, comme je n'ai pas commencé la première semaine de janvier, puisque là, on est déjà. Oh, c'est mon chat, j'aimerais bien, c'est quoi qui gratte? On est déjà en février, donc j'ai un peu de retard au niveau des semaines par contre. On verra bien. J'essaierai de faire plusieurs semaines. Ensuite, donc là j'ai bien mis 30 euros dans le défi des 52 semaines. Les garçons, je l'ai mis aussi. Après, j'ai dit. Voilà, j'ai plusieurs choix. Challenge moi, je l'ai fait aussi.
C'est bon. Donc, il me reste 20, 40, 60, 80, 100, 180. Ouais, c'est ça, 180. 190, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 290. Donc je vais mettre. Je vais prendre le classeur de la chatterie. Je vais mettre 10, pas 10 euros, ça sert à rien, 10 euros. Je vais mettre 100 euros dans arbre à chat. 1, 4, 5. Je vais toujours en prendre un trop. Il y en a bien 5. Comme je vous l'ai dit, comme la chatterie est bientôt finie, bah, il va falloir des arbres à chat. Hein. On est à plus 100, donc on est à 100. Dépôt. Voilà, donc ça c'est fait. Là, je pense qu'on a fini. Celui-ci, je pense qu'on va rien mettre d'autre parce que là c'est Noël, Noël Nounou. Les enfants pour l'instant, ça c'est des trucs finis. Lustre salon, lustre de la chambre, ils sont finis. Donc, il me reste celui-là et celui-là. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Là, il y a motoculteur, il y a déjà 100 euros. Pack, il est fait. Plafond, c'est pas urgent. Non, bah, c'est tout, je pense. Hein. Là, c'est des défis, mais pour l'instant, j'en ai assez, vous me direz. 50. Pour l'instant, c'est bon. Là, on est à 10. Ouais, pour l'instant, c'est bon celui-là. Je vais rester dans ceux-là, là, principalement. Donc, ce que j'ai pas fait. J'ai rien préparé avant, hein, je vous le dis hein, tout de suite, hein, je fais souvent au feeling. Hein. Jour férié, il n'y a rien, on a dit. Rentrée scolaire. Rentrée scolaire, si je mets 100 là tout de suite. Arbre à chat, donc on a dit 100. Ça c'est fait. Donc je vais mettre 100 euros dans rentrée scolaire. Je dois les avoir. 1, 2, 3. Voilà. 50, 2, 3, 100 euros. 100 euros de rentrée scolaire. Ce que je ne pense pas l'avoir cette année. On verra bien, mais je pense pas. Bon, je préfère prévoir pour mes deux garçons. Je préfère. Donc, février. J'avais écrit au stylo, zut. Ça, j'efface et je recommence en fait. Plus 100, donc on est à 100 euros. Voilà. Donc on a mis 100. Stock alimentaire. Du village, ah, va durer 3 ans cette vidéo parce que je ne sais pas où mettre. Donc on a hâte. Si je mets 30, je mets 30. Ça, celui-là, il est fait. Et donc là, je suis à 50. 30, donc on est à 50, on est en février. Je pense que je m'arrêterai à 300 euros. Voilà. Parce que c'est la seule fête qu'on fait dans l'année en fait. Et c'est vrai que quand on y va, bah, on a tendance à dépenser, même si on est dans un petit village qui est toute petite, très kiki, on a quand même tendance à dépenser. Donc, fête du village, j'ai dit que j'avais mis 30. Donc on est à 50.
J'ai pas mis où le permis. Permis, il me reste 60 euros. Hein. Je pense que je vais tout mettre parce qu'après, celui-là, je l'ai pas fait. Hein. Je vais mettre 50 voilà, dans le permis. Ah oui, c'est les 100 euros. Et on va dire que pour l'instant, je ne coche pas. Je ne peux pas cocher puisque bah, c'est des 100 en fait. Et ça, ce sera pour mon fils qui a 17 ans. Parce que là, je viens de payer le permis de ma fille à moitié, parce qu'elle avait un peu d'argent, donc elle a payé sa partie. Il m'a coûté plus de 2000 euros, je vous le dis clairement. Donc là, je préfère prévoir. Donc là, il y a 50. Voilà, pour l'instant. Ça. Ça c'est fait. Et donc les 10 euros qui restent, je vais les mettre dans le petit défi à la fin. Défi pas à pas que j'ai pas noté. Et je sais ce que je vais faire. Tiens. J'avais dit que je le ferais, je vais le faire maintenant. Je vais enlever le billet de 5 et je vais mettre un billet de 10. Comme ça, c'est comme si j'avais mis 5 euros aujourd'hui en fait. Et le billet de 5, je vais le placer dans mon défi pour être en chiffre rond. Que moi j'aime pas les chiffres impairs en fait. Enfin, vous allez comprendre après. 5, donc on est à 10. Voilà. Et là derrière, il faut que je coche un 5. Donc cocher un 5, donc je suis à 45. Alors, je vais vous faire bouger peut-être. Hop, je suis à 45 euros. Et. Donc là, c'est bon, on a tout fait. Je retourne sur mon défi des 5 euros. Et 5 euros, je vous dis, j'aime pas les chiffres par rond. Donc, on était à 135. Comme je mets 20 euros tous les mois, sauf cas exceptionnel et que j'ai de la monnaie, du coup, je vais arriver enfin à 140. Voilà. Sachant que le tracker va jusqu'à 200. Donc, on est bien à la fin de celui-là. Une fois fini, je recommence. Hein, clairement. Mais j'adore. Hein, franchement. Avant, je m'en fichais complètement des billets. Clairement. Ouais. Jamais je me serais venue à l'idée de collectionner les billets de 5 ou les. Enfin, pas les collectionner, mais les accumuler. Moi. Voilà, voilà. Donc j'ai remis. Du coup, j'ai pas noté. Petit chacha, pousse-toi, mon cœur. Ben là, c'est pas le même que tout à l'heure, c'est Topaz. Donc, plus 5. Et défi pas à pas, on a remis 5 euros. 5. Hop, je vais noter après, t'abuses. T'abuses vraiment. T'es une coquine. Ouais, t'es une chipie. Pas à pas. Hop, voilà. Donc, je sais pas s'il y aura un prochain remplissage. Normalement, il faut que j'attende. Donc, on est vendredi. Il faut que j'attende encore 8 jours. Sachant qu'il me reste 300 euros d'avance. Puisque j'ai déposé les chèques hier. Mais vous le savez, quand on dépose des chèques, il faut 2-3 jours de traitement. Donc, je les ai déposés hier jeudi, donc ils vont être traités peut-être lundi ou mardi seulement. Et après, une fois, on va dire après mardi, il faut que je compte 16 jours pour pouvoir retirer ces fameux sous. Donc, en attendant, là, de disponible, il me reste 300 euros. Voilà, c'est ça. 350. Donc, je pourrais aller retirer 350 euros, puisque ce mois-ci, j'ai prévu d'économiser normalement 1300 euros. Donc, mais le problème, c'est que je vais être bloquée par les 16 jours encore. C'est chiant, hein. C'est vraiment chiant, hein. Je vais encore avoir mes prochains 500 euros à la fin du mois, en fait. C'est pénible, parce que là, mardi, on sera quoi? 3, 4, 5, 6, on sera le 6, donc plus 16. Ça fait le 22. Donc, le 22, je pourrais retirer de nouveau 500 euros. Ok. Bon, bah, c'est tout, on verra bien, hein. Donc, je préparerai. Qu'est-ce que tu fais, petit chacha, mon cœur? Oh, je préparerai ça pour un prochain, peut-être, remplissage. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous, ça va, vos économies et tout. Je suis en fin de batterie, là. J'ai vu l'écran qui s'assombrit. J'espère pour vous, il ne va pas s'assombrir, mais je pense pas, c'est que moi. Moi, je suis bien partie, là, même si le mois de janvier a été très, très long, puisque mon mari a eu sa paye le 23 décembre. Donc, on a eu un mois de janvier de 6 semaines. Et on a payé le nouvel an, on était 11, donc on a fait un gros budget course en janvier.
la dernière semaine de décembre et janvier, on est arrivé à 1200 euros et quelques. Donc, il y a eu le nouvel an, donc le 2 jours, hein, 31 et le premier, sur 3 repas. On a eu les courses du mois de janvier, normal. On a eu un repas entre amis le 14 janvier. Donc, pareil, on était 9. C'était pas 11, mais 9, ça fait quand même beaucoup. On avait fait une raclette, donc ça va vite. Et le 22, il y avait l'anniversaire de mon mari. Donc, autant vous dire qu'on a dépensé une blinde en course en janvier. Et d'ailleurs, je fais épargne pour prévoir une cagnotte pour janvier l'année prochaine parce que c'est un mois qui est très long et qui nous met toujours en rouge comme ce mois-ci, hein, clairement. Comme le mois dernier, du coup, maintenant. Mais voilà, je vais prévoir une petite enveloppe pour ça, pour le mois de janvier, parce que ben, c'est trop, quoi. Là, on est le 2, on n'a toujours pas fait de course. Donc normalement, on y va demain. J'espère parce que j'en ai marre. Il est temps. Il est temps, il est temps. Sur ce, là, cette fois, c'est la bonne. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bon week-end. Hein. Ciao. Bisous à tous.